à Flers, où une école a été la proie des flammes toute la nuit. Laurent Bignola. 5h30 ce matin, la foudre s'abat sur les toits de l'école de l'Immaculée Conception à Flers. L'établissement vide en cette période de vacances a pris feu immédiatement. Dans l'Orne, et vous le voyez sur ces images, l'école de l'Immaculée Conception de Flers a été atteinte par la foudre et a brûlé. École à Flers, une école inoccupée. Heureusement, l'alerte a été donnée à 5h du matin. Flers, l'école de l'Immaculée Conception a été en grande partie détruite par les flammes. La foudre, mais... La foudre, on prend ça.
Allez, on prend deux là-haut. Ouais, ça fait un réveil matinal, hein. Ouais. Oui, moi, j'ai entendu la sirène. Non, c'est un monsieur, monsieur de côté, là. Il a été effrayé par l'orage. Il a rien sauvé chez lui. Et puis, c'est quand début de l'après-midi, ça. Au moment de l'orage, ça devait être vers 5 heures, 5 heures. Les pompiers, et quand il a téléphoné, les pompiers étaient déjà avertis, on ne pouvait pas partir. Il demandait des renforts. Alors bien sûr, mais moi je me rends sur les lieux. Et de toute façon, je crois qu'on aurait pas pu pénétrer à l'intérieur dès le départ. Enfin, alors là, bon, ben, actuellement, j'ai encore quelques lances en bâtis sur la façade et on va pénétrer, petit à petit, on va pénétrer dans les étages. Parce que, de toute façon, il faut qu'on monte dans les étages avec les lances. Et bon, comme j'ai assez de lances quand même en batterie, je vais envoyer des gars dans chaque pièce hein, avec une lance. Du point de vue effectif, ça va. Je fais appel aux pompiers de Tingebray, si on est avec un camion citerne, l'autopompe, et puis alors l'échelle d'Argentan. On a tout à réveiller là, hein. Sur deux niveaux. Est-ce qu'on a une idée de la cause? La cause, c'est l'orage. L'orage, d'après vous? Oui, c'est l'orage. Indiscutablement, c'est l'orage.